Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire à l'Éternel, honneur à notre Dieu pour ce moment merveilleux, un dimanche assez particulier. Alors, nous profitons aussi pour saluer tous nos bien-aimés qui se sont joints à nous via les réseaux sociaux, je veux dire en ligne, et ceux qui vont même se connecter après ces cultes. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous qui sommes ici dans la salle, nous sommes dans la présence de notre Dieu, dans sa maison. Parce que moi, la Bible que je lis me dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors si nous sommes dans la joie ce matin, est-ce qu'il y a une âme qui s'élève ce matin pour dire, Seigneur, merci pour la joie. Merci pour la joie. Bien-aimé, la joie, c'est vraiment une vertu particulière que Dieu nous donne. La joie et la paix de Dieu soient notre partage pendant ces cultes. Dieu est celui qui est assis sur son trône, mais nous a mis à part ce matin pour l'élever. Un matin merveilleux, un matin différent. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Des poussées de cris de joie, des poussées de cris de joie, de bouger comme des personnes qui sont heureuses en Christ Jésus, comme des personnes qui savent ce qu'ils adorent. La Bible déclare, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons celui que nous connaissons. Livre de Jean 4 dit, nous adorons celui que nous connaissons. Ce matin, nous voulons adorer celui qui s'est révélé en nous comme maître, comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Tout-Puissant, comme le Dieu, notre refuge, notre bénézer, le Dieu qui est assis sur le trône des grâces. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux pour ces dieux qui nous donnent non seulement la paix, mais ils nous donnent la joie, ils nous donnent la vie ce matin. Ils méritent d'être élevés, ils méritent d'être adorés, ils méritent d'être, aïe aïe aïe, ils méritent d'être exaltés, parce qu'il est digne, notre Dieu. Il est digne d'acclamation. Qui peut se comparer à lui? La Bible dit, avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Près de lui, il n'y en a pas. Et même après lui, il n'y en aura point d'autre. Voyons les dieux que nous servons. Voyons les dieux que nous servons. Voyons les dieux que nous adorons. Alléluia. 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 Ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le grand Dieu. Nous allons bénir celui qui n'a point de commencement ni de fin. Nous allons bénir celui qui a atteint nos pas en ces lieux. Élevons nos voix. Recommandons ces cultes spéciales. Un culte spécial ce matin. Dieu tout puissant, sans ta présence, ces cultes seraient qu'une rencontre d'hommes. Sans ta présence, ces cultes ne seraient que des retrouvailles. Sans ta présence, ces cultes ne seraient qu'un moment de routine. Mais ce matin, nous venons auprès de toi pour dire, Seigneur, honneur, louange, gloire, majesté, magnificence, honneur, c'est à toi, notre Dieu, à toi seul, Papa. Voici les cultes de ce matin. Règne en ces lieux comme maître, règne en ces lieux comme le seul, règne en ces lieux comme Dieu tout-puissant, règne en ces lieux comme le Père de tous ceux qui suivent, Seigneur, ton nom. Règne en ces lieux, Seigneur, même où se trouvent nos bien-aimés, dans leurs photos, au sous-sol, à la maison, Seigneur. Nous prions, même ceux qui sont dans les hôpitaux, qui nous suivent en ce moment, glorifie-toi, glorifie ces cultes, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton parfum, merci éternel notre Dieu, honneur à toi notre roi, qu'il faut vivre de te bénir, qu'est-ce que c'est magnifique de t'élever, qu'est-ce que c'est magnifique de se retrouver dans ta maison, alléluia, alléluia. Bien aimé, ce matin encore, nous allons dire à un être cher, le Saint-Esprit de Dieu. Puisque ce culte a commencé, nous voulons commencer avec lui. Il nous a déjà précédés, mais nous l'invitons en ces lieux. Est-ce qu'une âme peut s'élever et parler à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ces cultes? Tous les services lui seront offerts. Que le Saint-Esprit arrose ces lieux. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Que le Saint-Esprit peut
parle à une famille, à une âme ce matin. Que le Saint-Esprit touche nos bien-aimés de louange et adoration. Que le Saint-Esprit touche tous les services de ce matin. Esprit de Dieu, merci d'amener tes âmes en Seigneur. Merci d'amener les familles de la terre en Seigneur. Merci de prendre le contrôle. Tout ce que nous te demandons, règne en Seigneur. Règne en Seigneur. Règne en Seigneur. Règne en Seigneur. Touche nos bien-aimés. Communique-nous la pensée du Père ce matin. Communique-nous la nourriture du ciel. Donne-nous notre pain. Un pain frais ce matin. Un pain frais ce matin. Saint-Esprit, arrose. Fais comme tu l'as promis ce matin. Arrose encore, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'élévons, Saint-Esprit. Et nous t'aimons, Saint-Esprit. Bien-aimés, manifestons notre amour au Saint-Esprit. En acclamant le Saint-Esprit. Tu acclames encore pour le Seigneur, le Dieu fidèle. Ah, est-ce que tu peux pousser les cris de joie de célébration ce matin? Tu pousses des cris de joie de la fidélité de Dieu. Tu pousses des cris de joie de la fidélité de Dieu. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Alléluia. Nous commençons déjà notre célébration pour le 10e anniversaire de l'Église. Ce Dieu fidèle a accompli tellement de grandes choses. Il a accompli tellement de bonnes choses que tu ne peux pas rester calme sans pousser des cris de joie. Tu ne peux pas rester calme sans acclamer le Seigneur. Nous acclamons un Dieu fidèle. Nous acclamons un grand Dieu. Alléluia. Merci pour ses bontés et merci pour ta grâce. Pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie reçoit. Reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci, tu reçois. Reçois. Toi qui connais mon cœur.
soit notre louange, par nos acclamations, par nos cris de joie, par nos cris de joie. Le Dieu qui a transformé l'eau en vin, le Dieu qui a redonné la vue à la personne qui n'en avait pas. Alléluia. Tu peux acclamer avec nous comme ça. Puissance, Dieu le miracle, incomparable.
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur ce matin? Le Dieu admirable, inébranlable, qui est comme ce Dieu fidèle. Le Dieu qui change toutes choses. Le Dieu qui accomplit de nouvelles choses. Le Dieu qui ferait le chemin là où il n'y en avait pas. Tu adores ton Seigneur, tu bénis son nom. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu fais une nouvelle chose ce matin. Toi qui changes toutes choses. Toi qui changes toute situation. Toi qui changes toute situation, Père. Et comment rester calme? Et comment rester calme? Comment ne pas te célébrer, Père éternel? Comment ne pas bénir ton nom ce matin? Comment ne pas magnifier ton nom ce matin? Alléluia, tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, tu transformes les cœurs, tu transformes les cœurs, tu changes les vies, tu changes les destinées. Alléluia, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. J'ai décidé d'avancer.
choses avec toi je veux avancer. Avec l'église ou dans le Seigneur et avec toi je veux avancer. Encore une fois avec l'église tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses et tu le confesses de toutes tes forces, de toute ton âme, tu changes toutes choses. Tu adores ton Seigneur. Oh oui, tu crois fermement que ce matin, qu'une chose change. Tu crois fermement ce matin, qu'une chose change. Tu crois fermement ce matin, que tu as accompli une nouvelle chose. Alléluia. Alléluia. Et Amaya Basso, Pédé, tu reçois la gloire, oui. Tu reçois la gloire. Tu reçois la gloire, tu reçois la gloire. Tu peux continuer à adorer le Seigneur. Tu reçois la gloire, tu reçois l'honneur. Tu reçois la magnificence. Tu reçois la gloire, Yahweh. Tu reçois la gloire, Père éternel. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, le Dieu fidèle. Gloire à toi, l'irrésistible Dieu. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Gloire à toi, le Dieu fidèle. Gloire à toi, Jéhovah Rapha. Gloire à toi, Jéhovah Jireh. Gloire à toi, El Elyon. Gloire à toi, El Shaddai.
gloire. Oh gloire. Et à bas la basse, oh yamaya bâche, bédédédé. Nous chantons gloire. Nous proclamons gloire. Oh gloire. L'église peut le chanter encore. Nous chantons gloire. Nous crions gloire. Nous proclamons gloire. De tout cœur nous chantons gloire. Nous crions gloire. L'église chante de tout cœur, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, et là-bas, là-bas, sauper là-bas, chez Amayaba.
envoie, disons à l'agneau qu'il est souverain. Disons à l'agneau qu'il est au-dessus de tout, élevé. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à l'agneau, tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Tu es souverain. Dis-lui l'agneau, tu es souverain. Dis-lui, tu as gagné, tu as remporté la victoire, tu es sorti vivant du tombeau. Dis-lui, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oh, nous voulons te déclarer souverain. Souverain au-dessus de tout. Souverain au-dessus de tout. Nous voulons déclarer que tu es souverain. Nous voulons confesser que tu es souverain. Nous voulons déclarer qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Nous voulons déclarer que c'est toi qui as payé les prix pour nous. Nous voulons déclarer que tu es souverain. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que Adonai, le Maître de l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Élion de les dieux élevés. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'agneau de Dieu. Il est souverain l'agneau. Il est souverain l'agneau. Il est souverain l'agneau. Tu es souverain. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es souverain. La Bible dit, l'Éternel lui-même, le Seigneur, vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, il enfantera un fils. La Bible dit, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel et Dieu fort. C'est lui qui aura le sceptre royal de la tribu de Juda pour l'éternité. Son règne n'aura point de fin. L'agneau de Dieu, Yeshua HaMashiach, le Messie, loin de Dieu. Le Seigneur de gloire. Alléluia. La parole qui a été au commencement. Alléluia. Et qui a créé toutes choses. Jésus. Et qui s'est fait chair. Alléluia. Et qui a habité parmi les hommes. Jésus. Avec la gloire. Alléluia. La Bible dit c'est la lumière qui éclairait tous les hommes. Oui. L'agneau de Dieu, il a été rejeté par le sien. Mais la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Elle a donné, elle, la lumière, c'est l'agneau, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ils sont devenus enfants, ni selon la chair, ni selon le sang, ni la volonté de Dieu, des hommes, mais c'est par Dieu. Alléluia. Nous voulons bénir l'agneau ce matin. Nous voulons acclamer l'agneau ce matin. Nous voulons lui dire merci. Merci, merci, merci. Nous voulons lui dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix, merci. Merci. Merci à toi, l'agneau de Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Pendant que tu es debout, merci pour la patience. Nous voulons lire la parole de Dieu ensemble. Je te propose quelques lectures rapides que tu suives avec moi. D'abord dans les livres de Jean, le chapitre 6. Jean chapitre 6e, je lis du verset 11 au verset 15. Nous voulons prendre quelque chose de chaque texte. Donc, soyez un peu patients. Avec moi, je peux toujours résumer un peu les choses et te proposer, mais des fois c'est bien quand nous lisons ensemble et nous les voyons ensemble. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, et je lis à partir du verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. La Bible dit, ces gens ayant vu les miracles, quelqu'un dit avec moi, vu les miracles. Vu les miracles. La Bible dit, à cause de ces miracles qu'ils ont vus, il disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Alors ici, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai pris l'histoire. Je ne reviens pas sur la multiplication des pains et des poissons, mais je voulais apprendre ça pour montrer que c'était à cause des pains et des poissons qui étaient multipliés que ces gens-là voulaient couronner Jésus roi. N'oubliez pas, quand il est né dans le...
dans les tables, on a, les mages sont venus pour dire, nous sommes venus chercher le roi. Donc ici, on veut le couronner roi, lui qui est venu comme un roi, mais il refuse. Est-ce qu'on est d'accord? Il refuse. Parce qu'il a dit, c'est parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Voilà pourquoi ils veulent me faire roi. Ils n'ont pas une vision claire. Tu sais, parfois, quand on te fait manger, on te fait boire, tu commences à prendre des décisions. Alors, allons directement dans Matthieu chapitre 27. Alors, nous sommes un peu dans l'histoire de la crucifixion, mais je prends ça chez Matthieu, je prends chez Luc, je prends chez Jean, parce que nous voulons faire quelque chose ensemble. Avec lui furent crucifiés, 37, c'est 38? Okay. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête. Et la Bible dit en disant, « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, les ennemis de Jésus, hein, ceux qui étaient ses adversaires, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient des partenaires. Et ils ont dit, ils se moquaient de lui en disant, « Voilà, celui-ci, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Ils ont dit, pour tous les temps, on a refusé de croire en lui, mais aujourd'hui, s'il descend, c'est fini. Même les pharisiens nous changeront. Amen. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis le fils de Dieu. C'est très important de savoir que si Jésus était comme moi, et que les gens me parlent comme ça, j'allais descendre de la croix. Parce qu'il avait le pouvoir pour le faire. Hein? Il avait le pouvoir. Hein? S'il a changé l'eau en vin, il a ressuscité les gens qui pourrissaient 4 jours, il peut dire, je descends de la croix. S'il était comme moi, et que les gens commencent à te provoquer, à raconter des histoires en ton nom, et tout ça là, ah, tu descends. Mais c'est la différence entre les gens qui ont des buts et les gens qui n'en ont pas. Celui qui n'a pas de but, si on critique beaucoup, il change. Mais celui qui a les buts, il va te dire, va te réconcilier avec les personnes avec qui tu as des problèmes. Je ne suis pas une poubelle. Hein? Aller partout et venir damper ici. Moi, j'ai un but. Alors, allons directement dans Luc. Attends. Les brigands aussi ont critiqué. Hein? Crucifié avec lui, l'insulter de la même manière. Maintenant, Luc va nous donner quelque chose ici. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Tu sais, dans la vie, vous pouvez insulter ensemble, mais à un moment donné, si tu vois que ça peut amener dans des problèmes, dis au frère, « Moi, je n'insulte plus. » So, les brigands ont comme. Matthieu a dit, les deux brigands l'insultaient. Mais un des brigands, après avoir insulté aujourd'hui, insulté demain, hein, on se rencontre aujourd'hui, on mange, on critique la personne. Demain, on mange, on parle encore. Et à un moment donné, tu leur dis, hé, papa, maman, en tout cas, moi, la prochaine fois, si c'est pour critiquer, ne m'appelez pas. N'ayez pas honte d'échanger. Là où on est en train de vouloir faire des choses contre les gens. Et même si tu as participé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, prends la honte, emballe ça, mets de côté. Dis que ce n'est pas bon. La Bible dit, Luc dit ceci, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos cris ont mérité, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. So, tu vois, même un brigand a un objectif. So, il n'a pas changé pour changer. Il a dit, même si toute ma vie était dans le banditisme, hein, mais même en dernière minute, parce qu'il avait compris que c'est lui qui était à côté de moi est venu dans le monde avec un but. Il avait dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Et quand tu es quelqu'un qui cherche le perdu et tu rencontres un brigand, c'est la personne que tu cherchais. Jésus lui répondit, tu connais, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, Jean, chapitre 18, la même scène, maintenant Jean
ajoute quelque chose. Simon Pierre était là et s'est chauffé. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il est nia. Il dit, j'en suis point. Et puis, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu? Je pense que c'est Jean chapitre 19. J'ai corrigé ça dans le premier culte, mais ils ne m'ont pas aidé. Ils ont remis encore Jean 18. Jean chapitre 19. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, près de la croix, merci, près de la croix, Jésus s'est tenu, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Ils étaient tous des sœurs, mais ils s'appelaient tous Marie. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Ça veut dire, il a dit à partir de maintenant, je te donne les disciples ici. Et puis la Bible continue, il dit, ah, puis il dit aux disciples, hein, voilà ta mère. Il dit, je vais rester seul. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et puis la Bible dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc, il voulait provoquer l'accomplissement des écritures. Les gens pensaient qu'il avait seulement soif pour avoir soif. La Bible dit, quand il a eu soif et qu'il a demandé à boire, c'était pour trouver l'occasion de faire une déclaration. Et là, il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et puis, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » C'est ça qu'il cherchait. Il cherchait l'occasion de déclarer, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. N'est-ce pas? Quand il a dit, tout est accompli. Mais je veux que nous puissions réaliser dans quelles conditions tout était accompli. Dans quelles conditions? Les derniers disciples qui étaient restés, il a donné à la mère. La mère qui l'a suivi, il a donné aux disciples. Les manteaux, on a pris. La tunique, on a enlevé. Mais là, lui dit, tout est accompli. Seigneur, merci de bénir ta parole encore aujourd'hui. Merci de nous faire du bien. Saint-Esprit, nous, on ne sait rien. C'est toi vraiment qui peux venir aider parce que c'est ça qui est la vérité des Écritures. Quand l'Esprit viendra, il viendra vous enseigner toutes choses et vous conduire dans la vérité. Si tu m'aides et tu m'aides et aides mon frère et ma soeur, nous allons avoir quelque chose de ta part. Nous lions l'esprit d'incrédulité et les raisonnements humains et nous chassons au nom de Jésus. Déclarons que nous avons la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que nous entendons et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, car il n'y a pas de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Nous acclamons le Seigneur pour ceux qui sont connectés avec nous. Et déclare encore avec moi ce matin, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis transformé par la parole de Dieu, je suis inspiré par l'Esprit de Dieu, je suis conduit par l'amour de Dieu. Je ne suis plus le même. Au nom de Jésus. Alors nous voulons essayer de voir au moins pour l'instant comment nous pouvons terminer un peu notre petit message que nous avons intitulé « Vision et but, la puissance d'une vie d'accomplissement ». Premièrement, nous avons dit qu'on a essayé de comprendre c'est quoi la vision, dans quel sens nous utilisons le mot « vision » et comment il y a un lien entre la vision et moi. Et puis, deuxièmement, nous avons dit qu'il y a des visions qui transforment des vies parce que la vision peut venir de l'ennemi, peut venir de moi-même, de mes amis, des gens autour de moi. Et moi, je pense que Dieu m'a donné une vision alors qu'il ne m'en a pas donné. Mais la vision qui vient de Dieu, c'est celle qui m'a aidé et m'a transformé. Troisièmement, nous avons dit qu'il y a la vision qui peut venir de Dieu, mais on peut avoir un peu d'opposition. Quatrièmement, la semaine passée, nous avons dit que quand on a une vision, c'est difficile d'accomplir les choses seules dans la vie. Si Dieu te donne, par exemple, la vision pour fonder un foyer, mais c'est difficile que tu t'épouses toi-même et que tu puisses avoir de la vie toi-même. Si Dieu te dit bâtir une entreprise, c'est aussi difficile que tu puisses être toi-même l'employé et l'employeur et tout ça.
Donc, il y a quand même de ce côté-là la possibilité que tu puisses avoir des partenaires. Mais nous avons dit qu'il faut faire attention. Les partenaires, il y en a de plusieurs sortes, mais j'ai donné deux types de partenaires. Premièrement, qu'on a appelé des partenaires normaux. Ce sont des gens qui viennent parfois comme amis et qui t'aident et qui disent qu'ils sont là pour aider. Et tu les aimes beaucoup. Mais il y a d'autres partenaires qui sont des partenaires que j'ai appelés paradoxaux. C'est-à-dire, un paradoxe, c'est des idées contraires contenues dans la même vérité. C'est ça, un paradoxe. Donc, c'est, la Bible dit, celui qui gagne sa vie la perdra. Tu vois, c'est difficile à comprendre parce que si tu dis celui qui gagne, pourquoi tu dis encore qu'il perd? So, ça ne marche pas. Mais comme les deux principes, les deux idées sont apparemment contradictoires, mais peuvent fit, aller dans une seule vérité, c'est une déclaration un peu paradoxale. Alors, c'est comme ça qu'on a dit, il y a des partenaires que beaucoup de gens ont maudits, ils les ont insultés, ils les ont critiqués, mais c'était des gens que Dieu avait utilisés pour t'aider. Des fois, les gens qui t'aident, ce sont les gens qui te trahissent, mais leur trahison va t'aider. Ce sont les gens qui t'abandonnent, mais leur abandon va t'aider. Ce sont les gens qui étaient avec toi hier, avec qui tu as nourri, tu as payé les études, tu as amené, tu as payé les billets d'avion, tu as fait beaucoup de choses à l'église aussi, tu les as encadrés, tu as fait. Mais à un moment donné, il ne faut pas toujours voir le mal partout. Des fois, quand quelqu'un te combat ou met la pression, mais Dieu a permis ça parce que c'est ça qui va te faire avancer. C'est comme ça que nous avons dit, des fois, tu es jeune, tu vas habiter chez un oncle et une tante, la situation est difficile, on ne te donne pas tout, mais toi, tu trouves toujours que c'est mauvais. Mais à cause de ça, tu as appris à travailler fort. C'est à cause de ça que tu as appris à te battre dans la vie. Parce que trop jeune, on a commencé à arrêter de te donner les choses facilement. Alors, à partir de là, tu as compris que dans la vie, il faut que je sois discipliné, il faut que je travaille fort. Donc maintenant, le jour où tu réussis, est-ce que celui qui t'avait abandonné hier t'a vraiment fait du mal? Ça dépend de comment tu regardes ça. Au fait, il était partenaire de ton succès, mais un partenaire paradoxal. Au lieu de venir te donner, lui t'a privé et c'est ça qui t'a aidé à chercher. Et depuis que tu as cherché, tu as maintenant un PhD en recherche. Donc, les gens viennent maintenant chez toi pour apprendre de comment chercher. Est-ce que tu vois ça? Donc, des fois, il y a des situations difficile que Dieu a permis autour de nous, mais les gens-là, nous ne les regardons pas toujours comme des partenaires. On les regarde souvent comme les adversaires, les ennemis. On termine partout pour critiquer leur nom. Mais au fait, c'est les gens que Dieu a utilisés aussi pour t'aider. C'est comme ça qu'un des souverains sacrificateurs, qui n'était pas normalement censé être quelqu'un qui soit rempli d'esprit, mais la Bible dit, il a prophétisé en disant, Jésus doit mourir, nous devons le tuer. Pour arrêter le trouble dans la ville. La Bible dit qu'il ne savait pas qu'il disait ce que Dieu avait voulu. Donc, malgré qu'il était l'ennemi de Jésus, mais il a dit ce qu'il devait dire. Et c'est ce qu'il a dit qui a aidé les autres à dire, non, il faut tuer. Mais en tuant Jésus, c'est comme ça qu'ils ont aidé Jésus à accomplir le plan qu'il est venu faire. Donc, ils étaient comme des partenaires dans le projet de sauver l'humanité. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons voir rapidement, si je peux vraiment le faire rapidement avec toi, pour parler un peu de le but, la puissance d'une vie d'accomplissement. Parce que nous avons dit que la vision, le but, la puissance d'une vie d'accomplissement. So, le but, c'est quelque chose de puissant. Quand je reçois une vision et Dieu me dit, je veux que tu fasses ça, je veux que tu bâtisses ça, je veux que tu fasses ceci. Alors, le but, c'est quelque chose d'important parce qu'une vision sans but va t'amener nulle part, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas vraiment avoir un but clair dans la vie si tu n'as pas une vision claire. La vision, c'est ce qui te montre là où tu dois aller. Le but, c'est ce que tu atteindras quand tu iras là-bas. Donc, maintenant, quand on parle de but, qu'est-ce que je vais dire? Je te propose quelques idées. Comme j'ai dit d'habitude, tu ne viens pas vraiment pour qu'on te dise des choses que tu ne connais pas, mais des fois, c'est juste pour te rappeler ce que tu connais. Alors, 5 idées par rapport au but que je te propose ce matin. Quand on parle de but, dans le but, il y a l'idée du temps. Quelqu'un dit avec moi le temps. Alors, le but d'une chose se situe à la fin du processus qui conduit vers cette chose. C'est-à-dire, le but d'une chose se situe à la fin du processus qui t'amène. La vision te lance dans un processus et ce processus te conduira à la fin pour atteindre un but. Le processus peut avoir plusieurs étapes ou moments. Le but est la dernière étape ou le dernier moment dans le temps qui dure le processus. So, Jésus a dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Mais
Depuis là, il n'a pas dit qu'il a atteint le but. Et quand il a commencé, il a marché 3 ans et demi. Un jour, suspendu sur la croix, il a dit, c'est accompli. So, tu vois, c'est-à-dire que dans les 3 ans durant, 3 ans et demi, il n'a pas toujours dit, c'est accompli. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? On n'est pas d'accord? On est d'accord? Jésus a ressuscité Lazare, mais il n'a pas dit que c'est accompli. Jésus a changé l'eau en vin, mais il n'a pas dit que c'est accompli. Jésus a marché sur les eaux, mais il n'a pas dit à Pierre, Pierre, c'est accompli. Jésus a ouvert les yeux de Bartimée, mais il n'a pas dit que c'est accompli. Mais un jour, quand il a atteint le but, il a dit, c'est accompli. Le but est situé dans le temps comme une dernière étape d'un processus. C'est comme ça que quand tu rentres en première année à l'université, tu ne dis pas que c'est accompli parce que tu as passé un test. Tu ne dis pas que c'est accompli après le deuxième cours. Tu ne dis pas, tu dis j'ai réussi, mais tu ne dis pas. Et le jour de la graduation, quand on va te dire prends le chapeau, jette en l'air et tu jettes le chapeau, tu dis finalement c'est accompli. Deuxième idée dans le but. Dans le but se cache encore une autre idée, c'est l'idée de la justification. C'est-à-dire le but est la raison finale qui a justifié une démarche. N'est-ce pas? Une démarche. Et tout ce que cette démarche a exigé ou a coûté. So, le but, c'est la justification. C'est la raison principale, la plus importante pour laquelle on a entrepris la démarche. So, les gens qui n'ont pas de but entreprennent beaucoup de démarches sans savoir pourquoi ils les font. C'est comme ça qu'on lâche de toutes les manières. C'est comme ça qu'on abandonne de toutes les manières. De toute façon, ça ne t'a rien coûté. Parce que tu le faisais pour le fun. Tu le faisais pour le plaisir. C'est ici que je vais attirer surtout l'attention de la jeunesse. Parce que dans la vie, tu n'as pas toujours le même regard quand tu es trop jeune et quand tu commences à prendre la maturité dans la vie. N'est-ce pas? Quand tu es jeune, il y a beaucoup de choses que tu fais pour le fun. Tu fais pour le fun. C'est comme ça que quand tu vois un enfant avec toi, tu prends le sel, tu mets là sur la table avant de manger. Lui va prendre le sel, il va verser sur le tapis. Parce que c'est fun. Il ne réfléchit pas à aller au magasin, acheter le sel, amener à la maison, mettre dans la nourriture pour que la nourriture ne soit pas fade. On ne peut pas jeter parce que ça coûtait de l'argent. Lui, il le fait ça pour le fun. Il veut avoir du plaisir, voir comment chaque grain blanc sera en train de tomber sur le tapis. Ça, tu vois? Maintenant, quand elle commence à grandir, elle accompagne sa maman au magasin et voit maman dépenser l'argent pour ça, commence à comprendre que ça coûte. Plus tard, il commence à grandir, commence à compter. So, tu vois, donc, le but, c'est la justification. La justification. Le but, c'est ce qui justifie la raison pour laquelle je poursuis la vision. Le but justifie la vision. So, tu vois, le but. Mais le problème, c'est que quand je dis, c'est ça ce que je vais faire, c'est ce programme que je vais prendre, c'est ça ce que je veux. Mais est-ce que j'ai un but? Parce que le but va justifier beaucoup de choses. Le but justifie pourquoi tu donnes 1000 dollars à une université. C'est le but. C'est parce que tu dois payer les cours. Le but justifie les nuits blanches que tu as faites pour lire les cours. C'est parce que tu avais un but. Et le but était tellement important, ça justifiait couper un peu de sommeil. So, dans la vie, tu ne veux pas marcher sans but. Lève la main si tu es capable. Dis au nom de Jésus, je déclare, je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Quelles que soient les circonstances de ma naissance, je ne suis pas un accident. J'ai un but dans la vie. J'ai un but dans la vie. Même si au départ, je ne vois pas le but, je sais que le but m'attend à la fin. J'ai un but dans la vie. Le but va justifier mon choix. Je ne fais pas les choix émotionnels. Je ne fais pas les choix par sentiment. Je ne choisis pas un partenaire par émotion. Je ne choisis pas l'église par sentiment. Je ne choisis pas l'université par émotion. Je ne choisis pas le programme par émotion. Je ne choisis pas la femme et le mari par sentiment. J'ai un but. Si je veux un foyer, il y a un but. Troisième chose que tu as dans le but, c'est la motivation. Il y a un lien entre le but et la motivation. Le but, c'est là où se trouvent les éléments qui déterminent le comportement. Je vais le dire encore. Le but, c'est là où se trouvent les éléments
qui détermine le comportement, qui pousse et qui déclenche la force d'avancer vers la fin. Les gens qui n'ont pas de but, ils ne sont pas motivés. Comment je sais que j'ai fait quelque chose par émotion? Parce que je manque la motivation. Les jours où ça me tente, je fais. Les jours où ça ne me tente pas, je ne fais pas. So, tu vois, quand tu as un but, le but peut devenir la source de ta motivation. C'est parce que tu vois un but dedans. Tu vois un but là. So, tu dois savoir que dans la vie, pour atteindre les résultats, des fois, il faut avoir un but. J'ai donné un peu mon petit témoignage. Comment un jour ma mère m'a surpris. Comment elle m'a dit que l'école, elle voulait m'enseigner que l'école est importante. Mes parents m'ont eu un peu tard. Ça veut dire que mes parents étaient un peu de la génération de grand-mère de ma femme. Tu vois? So, la maman de comment on peut dire ça? Il faut choisir le chemin le plus court. La belle-mère. Okay? Alors, so, la belle-mère, ma belle-mère est de la génération de mes grandes sœurs. So, tu vois? So, maintenant, ma mère, bon, elle a fait quand même un peu de petites études élémentaires. Elle n'est pas allée trop loin. Elle est devenue femme au foyer. Mon père l'a épousée à peu près à 16 ans, 16 ans et demi. Ah, mon frère, ma soeur, tu appelles le papa de l'autre pédophile à l'église? À l'époque, c'était normal. Okay? Dis aux voisins, à l'époque, c'était normal. So, il a épousé à 16 à 16 ans et demi. Alors, mon père, lui, il a beaucoup étudié. Il était vraiment quelqu'un de très brillant. Il sautait des classes parce qu'il était trop brillant dans une classe. Il termine pas, on l'amène là-bas. Il brille là-bas, on l'amène là-bas. Alors, et puis c'est comme ça que les gens, à l'époque de la colonie, hein, son pays était colonisé. On a dit qu'il doit devenir un enseignant parce qu'il était trop brillant, donc il doit enseigner les autres. C'est comme ça qu'il a fait. Après, il a continué ses études. Maintenant, après ses études, il a commencé à travailler. Il était fils unique. Il a perdu son père jeune, alors il était fils unique. Et à cause du travail, il a amené ma mère à gauche, à droite. Il a bâti des choses. Ma mère avait commencé à comprendre que si quelqu'un étudie, il peut réussir. Tu vois, c'était ça sa pensée. Maintenant, il voulait m'enseigner ça. C'est comme ça qu'il m'a dit un jour, même si on te dit que je suis décédé, si tu as un examen, je te dis, va faire l'examen. Parce que moi, je serai parti et l'école va t'aider. So, c'est comme ça que trop jeune, c'est resté comme en moi que l'école est importante pour moi. So, c'est comme ça que j'allais dans toutes les conditions à l'école. La pluie tombait jusqu'à 10 heures. Moi, j'allais pour rentrer à 12h30. La pluie arrête à 10 heures. Je marche pendant 1 heure. J'arrive à 11 heures à l'école. J'ai fait 1h30 et je rentre. Parce que pour moi, quelqu'un m'avait dit que l'école est importante. C'est comme ça qu'on arrive à l'université. Demande pas quelle université, mais écoute l'histoire. So, on arrive à l'université, un auditoire qui était construit pour 150 personnes, on était 3000 dedans. Et maintenant, il y a un jour, on est arrivé, les portes de l'université étaient fermées, et donc les gens se sont rencontrés tous à la porte. Et puis les gens disaient, j'ai la clé, laissez-moi passer, j'ai la clé. Et puis vous tous, vous les laissez passer. Il arrive là-bas, il dit, je n'avais pas la clé. Mais il voulait seulement être les premiers. Parce qu'il y avait des professeurs qui, quand ils rentraient, ils disaient que si tu n'as pas une place assise, tu dois sortir. Et c'était donc, il fallait arriver à 5 heures du matin pour les cours qui commençaient à 8h30. Et donc, c'est comme ça qu'à 5 heures du matin, comme j'habitais pas loin de l'université, j'ai marché parce qu'à 5 heures, il n'y avait pas assez de transport en commun pour t'amener à l'université. Donc, on marchait, on allait vers 4 heures, 5 heures, parce que je vais être dans l'auditoire pour écouter. Moi, je ne peux pas écouter par un ami, je ne sais pas. J'ai étudié avec des amis très brillants, mais j'ai toujours tendance, je vais écouter les professeurs. Alors, donc, je devais être là. Et puis, un jour, en essayant d'entrer, et puis, on a commencé à se coincer à la porte. Il y a des gens qui étaient coincés contre le béton. Parce qu'on a ouvert la petite porte et 3000 personnes, ça, c'est juste mon auditoire, mais dans ce bâtiment-là, entrer à peu près 5000 personnes. Et on doit pousser. Il y a des gens qui criaient, laissez-moi sortir. Et tout ça là, parce qu'on a tellement poussé, on l'a coincé contre le béton. Les gens qui sont derrière ne voient pas la porte, ils ne font que pousser. Ils ne savent pas que la porte est là-bas. Et ils poussent un garçon contre le mur. Et le garçon commence à crier, vous m'étouffez, je vais mourir. Les gens lui disent, ferme la bouche. Il y a des filles qui ne crient pas, toi un garçon crie, pousse encore. So, tu vois, malgré ces conditions-là, j'allais quand même.
So, tu vois, pourquoi? Parce que pour moi, à la fin de l'école, il y avait un but. Je me rappelais ce qu'on m'avait dit. So, moi, je n'ai pas joué au football. J'ai joué pour le plaisir. Mais je ne suis pas footballeur. Je ne suis pas un homme d'affaires. Pour moi, l'école, c'était ça. So, tu vois, la justification de tous ces efforts-là, c'était parce que j'ai pensé dans ma tête, à la fin, il y a un but. À la fin, il y a un but. La chaleur nous prenait tellement que pendant la pause, les gens sortaient, enlevaient leurs chemises, essoraient les chemises. Tu sais? Et l'eau coulait, tout. Ils mettent sur la pelouse. Après-midi, nous rentrons à l'école. Les profs s'essuient et tout ça là. C'était terrible. Mais il y a des gens qui ont abandonné. Mais ceux qui avaient un but ont continué. Pourquoi? Parce que leur but les amenait à justifier les efforts. Dis au voisin, aie un but dans la vie. Dire que la vision de Dieu te donne un but. Que la vision de Dieu te donne un but. Troisième chose, ou quatrième chose, c'est ça? La motivation. Hein? Quatrième chose, c'est la direction. Le but donne la direction. N'est-ce pas? Le but donne la direction. Le but, c'est ce qui donne une ligne qui sera la commande. Une ligne qui commande le déplacement d'une chose. J'ai ajouté Sera, là on peut l'enlever. C'est une ligne qui va commander le mouvement d'une chose. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu as un but clair, sur le plan spirituel, c'est comme s'il y a une ligne dans ta vie. Et ta vie suit la ligne. C'est comme ça que quand la ligne va à gauche, tu vas à gauche. Quand la ligne va à droite, tu vas à droite. Les gens vont dire, mais pourquoi il va à gauche? Il ne va pas à gauche parce que la gauche existe. Il ne va pas à droite parce que la droite existe. Il ne reste pas droit parce qu'il faut rester droit. C'est la ligne de son but qui le fait. C'est comme ça que quand tu as un but dans la vie, tu as le sens de direction. Celui qui n'a pas de but n'a pas souvent le sens de direction. Est-ce que tu comprends ça? Particulièrement pour vous les jeunes, parce que moi je suis passionné par les jeunes. Et je trouve ça merveilleux quand un jeune devient mature avant le temps. Donc souvent les jeunes font beaucoup de choses par amis. Tu vois? C'est normal, c'est ton âge. Mais dans la vie, après un certain moment, tu vas comprendre que la vie ne se définit pas par les amis. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, des fois, il faut que tu puisses savoir que le but te donne le sens de direction. Celui qui a un but, il sait souvent où il va. Parce que ça l'aide. Ça l'aide. Ça t'aide à tourner à gauche et à droite et à rester au milieu. C'est le but. Ça te donne le sens de direction. Le but va orienter une chose vers un côté ou un autre. C'est le but qui te donne la cible. Je prie Dieu, après ce message, que tu deviennes un homme et une femme de vision. Et que tu comprennes que dans la vie, tu ne peux pas décider par émotion. Tu ne peux pas décider par sentiment. Tu as un but à atteindre. Tu as un but à atteindre. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Même comme tu es ici, tu ne peux pas venir juste parce que moi je suis ici. Tu dois avoir un but. Si tu n'as pas un but, c'est comme ça que quelqu'un peut devenir à l'église, nouveau, il s'attache à toi, commence à parler à tes oreilles, pan, 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 et de nouveaux buts viennent dans la vie. So, tu dois avoir un but. Demain ou après-demain, selon les cas, si tu t'élèves pour connecter à ce travail-là, pour aller à cette université, il faut que tu aies un but. C'est comme ça que je disais à ma fille quand elle voulait aller à l'université d'Ottawa. Je lui ai dit, personne ne va à l'université pour regarder les bâtiments. Voilà pourquoi, après quelques années, toi-même, tu vas me dire que tu n'iras plus à l'université. Parce que tu auras atteint le but. So, fais attention de ne pas oublier les buts pour lesquels tu es parti. Le but te donne la direction. Cinquième chose et le dernier, pour l'instant, c'est que on ne peut pas oublier ça. Il y a un lien entre le but et le résultat. Il y a un lien fort entre le but et le résultat. À la fin, le but devient le salaire.
C'est ce qu'on obtient après avoir accompli ce que la vision avait montré. Les résultats atteints par le but est un résultat final, mais envisagé depuis le début. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est ici que j'atteins le but. C'est ici qu'on me paye. C'est ici que j'ai le salaire de ce que je fais. Je ne parle pas toujours d'argent, salaire, en termes de ce que ça m'a payé. Mais ce que ça me paye ici, c'est ce que j'avais envisagé quand j'étais au début. J'avais mon regard sur le but. Et j'ai avancé malgré les hauts et les bas. Je suis resté fidèle. Et quand j'ai atteint le but, j'ai l'impression que j'ai eu un salaire. Le temps est fini pour que tu mènes ta vie juste parce que c'est un jour que tu existes. Le temps est fini pour que tu ailles au travail, c'est parce qu'il y a seulement un travail. Tu as besoin d'un but même par ce travail-là. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Tu as un but à atteindre, frère. Après avoir travaillé, eu les félicitations du patron, quel est le but pour lequel tu as choisi l'entreprise? Tu as un but. Tu fais des affaires, fais-les avec un but. Fais-les avec un but. Voilà pourquoi je disais au premier culte, tout le monde peut aller acheter en Chine. Mais toi, si ton but, c'est d'acheter à Thaïlande, hein? Yannick, vous les hommes d'affaires, vous achetez où à part la Chine? Turquie. Mais le problème, ce n'est pas que tout le monde va en Chine. So, tu vois les gens, ils se réveillent le matin, ils disent tout le monde va en Chine. Allô? Hein? Chine? Hein? Allô? Il paraît que ce n'est plus Chine, c'est Dubaï. Dubaï. Oh, mais laisse-moi réfléchir. Réfléchir quoi? On t'a dit que c'est Dubaï. Simon Pierre est allé à Dubaï. Apôtre Paul, Dubaï. Même Lazare l'est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, mais il a quand même l'intelligence de Dubaï. Toi, tu restes Dubaï. Au fait, mon problème, ce n'est pas Chine ou Dubaï. Mon problème, c'est que j'ai un but dans la vie. Mon problème, c'est que j'ai un but dans la vie. Je dois avoir un but. Quelqu'un me dit amen. Je dois avoir un but. Le but, c'est ce qui m'a permis d'avoir un résultat. Voilà pourquoi nous avons dit la puissance d'une vie d'accomplissement. À un moment donné, dans la vie, il ne faut pas seulement être busy, mais il faut atteindre des buts. Amen. Il ne faut pas seulement être connu, il faut atteindre des buts. Amen. Il faut atteindre ton but. Yes. Connu ou inconnu, riche ou pauvre, atteins ton but. Amen. Les gens ont des buts dans la vie. Ils ne veulent pas devenir tout le monde parce qu'ils ont un résultat à atteindre. Alléluia. Amen. Un jour, je disais à ma fille, tu sais, il y a Barack Obama et il y a Michael Jordan. Chacun avait un but. Chacun avait un but. Ils sont les, comment on appelle ça, African American. Oui, c'est bon. Mais Obama aime le basket. Est-ce que tu sais qu'il aime le basket? Il veut jouer au basket. Même quand il est devenu président à la Maison Blanche, il faisait des parties de basket. Mais si tu dis à Obama de ne pas aller à Harvard et de jouer seulement au basket et de chercher la NBA et d'être le plus grand joueur afro-américain de la NBA, il va te dire que ce n'est pas son but. Si tu dis à Michael Jordan d'aller à Harvard, d'étudier le droit et de devenir avocat à Chicago, Illinois, et de pouvoir entrer dans le Sénat et d'aller dans le parti républicain et de faire le discours à la campagne de John Kerry et puis d'être connu et d'affronter Hillary Clinton et de gagner McCain et de gagner l'autre là-bas, Jordan va te dire, give me a ball and give me a court. Keep Harvard for yourself. Pourquoi? Parce que son objectif, ce n'était pas d'être le premier noir président des États-Unis, mais d'être celui qui va battre les records de la NBA. Essaye d'avoir un but dans la vie. Après ce message, je veux voir des jeunes qui ont des buts. Il dit, je vais à l'école pour un but. C'est comme ça que si les amis quittent, lui reste. Parce que lui, il est venu pas pour accompagner les amis, mais il a un but. Il faut avoir un but dans la vie. Parce que ce que tu fais, c'est bien. Agiter, c'est bien. Beaucoup de choses, c'est bien. À la fin, ce qui va compter, c'est le résultat. Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as atteint? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu sois guidé par les résultats. Voilà pourquoi les bons leaders, ils laissent le processus au manager et ils gardent les résultats. Un bon leader veut voir les résultats. Ton
patron va t'aimer parce que tu es manager. Tu mets les processus, les policies. You have to do this. Et Roy va descendre. L'ordinateur doit regarder vers le soleil. La chaise doit être ergonomique. Ça, c'est le manager. Les patrons, les sous-ministres adjoints, les sous-ministres, les DG. Quand ils entrent là-bas, they want to know what's the result. C'est quoi le résultat? C'est comme ça que le but devient puissant. Regarde, je te propose encore quelque chose. La puissance du but dans la vie. Ça, quand tu as le but, la puissance du but vient du fait que, un, tu as une vie qui a du sens. Yes. Celui qui n'a plus de but dans la vie, il mène une vie sans sens. Mm. Quand je dis sens, c'est dans le sens, les Anglais disent, it means something to me. Tu vois, it's meaningful. So, la vie, c'est bien quand ta vie a du sens. Et la vie a du sens quand tu as une vision claire et tu as un but à atteindre. C'est comme ça que les gens peuvent avoir de l'argent, mais ils ont le sens d'avoir raté leur vie. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent, ils ont le sens de rater leur vie parce qu'ils trouvent que la vie n'a pas de sens. Quand il s'élève, il est découragé. Quand il s'élève, il est oppressé. Quand il s'élève, il est stressé. J'ai cette histoire-là que je raconte beaucoup. C'est dans les médias, c'est dans les domaines publics. On ne va pas dire que je dévoile les secrets des gens. So, cet homme-là était responsable d'organiser les championnats de natation à Montréal. Et puis, le gouvernement du Québec a dit, c'est difficile pour nous de te financer. Le gouvernement fédéral a dit, c'est difficile pour nous de financer. Et maintenant, cet homme-là voyait ça comme le projet de sa vie. Il était fier de lui-même d'organiser cela. Quand on a dit qu'on ne va pas financer, parce que c'est le sport amateur, à l'époque, peut-être le Canada ne mettait pas beaucoup d'argent, à un moment donné, on le cherchait, on ne le voyait plus. Il a disparu. On a cherché un jour, deux jours, trois jours. L'autre jour, on est venu le trouver à côté d'un canal, je pense que c'est le canal de la Chine à Montréal. Il s'est suicidé dans sa Mercedes. Alors que moi, je sais qu'il y a des gens dans le village d'origine de mon père, si tu lui donnes la Mercedes, sa vie est finie. Est-ce que tu comprends la chose? Il y a des gens là-bas qui marchent, qui font le vélo, qui vont dans les champs faire leurs affaires. Si tu viens lui dire, il y a quelqu'un à Montréal qui s'est suicidé dans sa Mercedes, je pense que les villageois vont dire, amène-moi même son corps, je vais fouetter. Parce que pour moi, je vais voir que j'ai accompli le but de la vie, mais lui, il se suicide dedans. So, il ne peut même pas se consoler à cause de ça. Pour dire, bon, j'ai manqué le championnat de natation, mais au moins j'ai quand même une petite vie. Non. So, tu vois, quand tu commences à voir que ta vie n'a plus de sens, c'est là que le suicide arrive. C'est là que les idées de découragement arrivent. C'est là que des maladies arrivent. C'est là aussi que les gens se lèvent le matin, ils font n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'on fasse quelque chose. Dis, j'ai un but dans ma vie. Et j'atteindrai mon but. Au nom de Jésus. Deuxième chose qui libère la puissance du but, c'est que c'est une vie qui a moins de distractions. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, je pensais que tu acclamais Jésus. Alléluia. Je pensais que tu acclamais le Dieu de ta vision. Alléluia. Le Dieu de ta jeunesse. Oh, yes. Il t'a beaucoup parlé. Jésus. Il t'a montré beaucoup de choses. Oh. Beaucoup de gens te connaissent, mais ne connaissent pas le Dieu que tu pries. Oh, yeah. Beaucoup de gens te connaissent, mais ne savent pas ce que Dieu t'avait dit. Come tu on. N'avais que 12 ans. Tu n'avais que 13 ans. Il te voit comme un fou. Il te voit comme un innocent. Il te voit naïf. Come il on. Te voit comme trop conciliant. Et ils ne savent pas que, oh oh, c'est lui qui a un but, hein, il a moins de distractions. Il a moins de distractions. C'est ici que je parle souvent aux jeunes. Les jeunes peuvent avoir 10 programmes dans la même journée. Hein? Les jeunes, hein, sa journée commence à 22h. Tu vois? Quand nous les adultes, on commence à faire le bilan de la journée, rentrer à la maison, les jeunes peuvent être en train de sortir. Parce qu'il a encore un autre programme. Il a encore un autre programme. Voilà pourquoi il dort avec son téléphone jusqu'à 1h du matin. Parce qu'il est en train de texter. Et les choses qu'il texte, c'est ce que TikTok a dit. C'est ça, TikTok. Et puis, il répond à un commentaire de l'autre. Et tout ça là. So, tu vois? So, la vie qui a un but, on a moins de distractions. On a moins de distractions. Il y a des moments dans la vie, tu peux dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'écouter ça.
Je te respecte beaucoup, je t'aime beaucoup, mais ça, ça ne m'aide pas. N'est-ce pas? Le conflit entre A et B, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? J'ai un examen demain, j'ai une vie à atteindre, je prépare un mariage, je vais faire le ministère de Dieu, je vais faire ceci, j'ai une famille à élever. Maintenant, si A avec B ont des problèmes, ça vient chez moi comment? Ça vient chez... Mais regarde, toi aussi tu l'accueilles. Et puis nous les chrétiens, trop spirituels. Seigneur, nous prions avec tout ce que nous allons dire, soit pour la gloire. La première phrase, c'est oh, tu connais Harry? Harry a dit. C'est ça la prière que vous avez faite. À un moment donné, arrête d'écouter beaucoup de choses, parce que tu n'as pas mis le but dans la vie. Tu as un but à atteindre. Oh oh. Je pensais que j'aidais un jeune. Comment? Je pensais que j'aidais un jeune oh, yes. à devenir adulte avant l'âge. Alléluia. Tu dois devenir adulte avant l'âge. Oui. Tu dois devenir adulte avant l'âge. So, tu as des buts à atteindre. Pas de distraction. Les gens qui n'ont pas de but, ah, le programme ici c'est ça. L'autre programme aussi c'est ça. La vie là-bas c'est ça. Ça aussi, c'est ça. Tu vois? Mais tu peux pas. Oui, tu vas faire ça quand tu as 12 ans. Parfois, c'est le jouet rouge. Parfois, c'est le jouet jaune. Parfois, c'est les deux en même temps. Parfois, c'est les trois en même temps. Il y a des parents qui sont très fâchés contre leurs enfants. Papa, ça, ça. Papa achète. Deux jours après. Papa, ça, ça. Papa achète. Trois jours après. Papa, ça, ça. C'est ça. C'est les caractéristiques d'un enfant. Je veux le lait. Je veux le lait. Vous lui donnez le lait. Et quelqu'un d'autre amène son enfant chez toi. Cet enfant-là, lui, aime le jus. Dès que tu donnes le jus, il renverse le lait. Je veux le jus. Mais quand tu deviens mature dans la vie, tu dis, je veux du lait. On dit, il n'y en a pas. Mais on a du jus. Tu dis, non, merci, c'est bon. Tu dis, merci, c'est bon. J'étais jeune, papa Bonan ne va plus se souvenir. Il nous conseillait. Il a dit, même les repas, pourquoi les gens mangent les choses qu'ils n'ont pas? C'est parce qu'il a honte d'être sincère. Lui ne mange pas les poissons, mais regarde les poissons qu'on a mis. Et puis on dit, papa, poisson. Merci maman. Mais dans le cœur, il ne voulait pas les poissons. Et puis les gens sont gênés, embêtés pour être eux-mêmes. Dis-leur que toi, ce n'est pas les poissons. Qu'on te donne de la bonne viande. Qu'on te donne le genre de viande que Salomon criait quand il a contemplé. Regarde le voisin, dis-lui, aie un but et sois toi-même. Dis-lui, n'aie pas honte de toi-même. Aie un but dans la vie. Sois toi-même. Troisième chose que la puissance du but va te donner, c'est une vie qui évite la manipulation. Acclame le Seigneur. Alléluia. Yes. Quand je n'ai plus de but dans ma vie, c'est comme ça que je peux être facilement manipulé. Si Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, ce n'était pas par manque de beauté, mais c'est avec le but. Si, tu vois, c'est le but qui empêche les gens de te manipuler. Parce que beaucoup de gens pensent que tu n'as que des ambitions, tu n'as pas de vision. Voilà pourquoi, quand ils ont quelque chose qui va alimenter ton orgueil, ils viennent te proposer. Mais ils ne savent pas que toi, tu fais ta vie en fonction des buts et des objectifs. C'est comme ça que ici ça paye 1000 dollars, ici ça paye 100 dollars, toi tu as pris 100 dollars. Ce n'est pas parce que tu es imbécile, mais tu as un but dans la vie. Tu ne vas pas vendre ton âme à cause de l'argent. Donc, il faut que tu puisses avoir des buts dans la vie. Et ton but doit devenir, voir venir de la vision que Dieu t'a donnée. So, si la vision vient de Dieu, le but sera là et tu vas atteindre ça. Un jour, un couple de Latin America, la South America, Amérique latine, ils sont venus, ils m'ont été recommandés. Ils sont venus, je ne sais pas d'où, et puis je les ai rencontrés ici. Il dit, pasteur, on t'a écouté un peu, mais on veut que tu parles à notre fils. Et puis, ils amènent l'enfant. J'ai dit, tu as quel âge? Il dit, j'ai 22 ans. J'ai dit, mais pourquoi je dois lui parler? Et il a dit, ben, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent à la maison. Il y a des bruits, des choses, des chaises qui bougent, des choses bizarres. J'ai dit, oh, mais pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il a connecté avec quelque chose. Et puis, j'ai regardé le gars. J'ai dit, what's up? Et puis, il dit, ça va. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes parents ne comprennent pas. Je vais gagner la vie et je vais gagner de l'argent pour aider ma famille.
So j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire pour gagner cet argent-là? Il a dit, j'ai vu les gens à Hollywood. Et puis ils ont dit, they sold to the devil. Ils sont devenus riches. So I decided to sell my soul to the devil. So il a dit, j'ai vu des gens à Hollywood. Ils ont dit qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Ils sont devenus riches. Alors moi, j'ai décidé de vendre mon âme à Satan et de devenir riche et d'aider ma mère. J'ai dit, waouh! On a discuté. Je l'ai conduit au Seigneur. J'ai dit, fais la prière avec moi. Et puis ils sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Dieu seul sait. So, tu vois, il faut que tu puisses avoir un but. So, ils ont vendu leur âme à Satan. Ils sont devenus riches. Est-ce que toi aussi tu veux cette richesse-là? C'est ça la question. Est-ce que tu veux cette richesse-là? J'expliquais un jour à ma fille. J'ai dit, tu vois, dans la vie, il faut que tu puisses avoir des buts et des objectifs. La vie, ce n'est pas toujours en termes de ceci ou cela, beaucoup ou peu. C'est en termes de buts et des objectifs. Parce que des fois, les gens que tu envies, eux-mêmes n'envient pas leur vie. C'est comme ça que je lui ai dit. Tu vois, Michael Jackson, okay? C'est dans la presse, ok? C'est dans la presse. Alors, so Michael Jackson avait embauché un médecin spécialiste en cardiologie. Le médecin avait son cabinet à Las Vegas, Nevada. So, il travaillait là-bas. Et tu connais Las Vegas, hein? J'aime toujours dire, what happens in Vegas stays in Vegas. So, c'est ça la ville où le médecin travaillait. Et maintenant, Michael Jackson lui a dit, moi je suis juriste, quand je vois un procès, so, je suis intéressé. So, j'ai commencé à suivre les procès pour voir un peu la procédure et tout ça. Là. So, Michael Jackson lui a dit, ferme ton cabinet et deviens mon médecin personnel. Et puis, il y avait une dame qui disait, ce médecin-là, c'était vraiment mon médecin, il m'a beaucoup aidé, un homme de bien. Maintenant, il habitait chez Michael Jackson, dans son ranch qu'on appelle, Neverland. Il habitait là-bas et la nuit, il a commandé un produit, papa, Proposol, si c'est Proposol. En tout cas, il utilisait en anesthésie, mais seulement en milieu hospitalier. So, il a négocié pour avoir ça et puis il a embauché les cardiologues. Tu sais, un cardiologue aux États-Unis, médecin spécialiste, je ne sais pas combien il peut gagner, mais il a arrêté la pratique, il a fermé le cabinet, il a demandé aux patients de trouver d'autres médecins parce que lui ne soigne que cet homme-là. Et la nuit, il a demandé à son médecin de lui donner une dose. Le médecin a donné la dose, mais la dose ne le calmait pas. Il a dit au médecin, ajoute. So, il a embauché un cardiologue pour le tuer. Et il a payé le salaire. So, tu vois, maintenant, toi, tu es ici. Parce que Michael Jackson, il peut appeler une chaîne de télé pour dire, je vous donne 10 minutes, donnez-moi 1 million. Les gens vont donner. Parce qu'ils savent qu'après son passage, l'audimat va augmenter. Les vues sur Internet vont augmenter. So, il peut donner une entrevue de 10 minutes pour 1 million. Et toi, tu peux être assis là-bas et tu dis à Dieu, ah, si j'étais Michael Jackson. Quand tu as un besoin de 1000 dollars, tu n'as pas. Tu dis, ah, zut, si j'étais Michael Jackson. Mais lui, Michael Jackson, il dit, la nuit, je ne dors pas. So, tu vois, si tu connais ton but, tu seras moins manipulé par les succès des autres. Et leurs échecs et l'apparence de leurs succès. Parce que beaucoup de gens que nous voyons ici, ils sont grands le jour, mais la nuit pour dormir, ils se sentent petits. Ils font beaucoup de choses. Ils performent. N'est-ce pas? Ils performent beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime un peu lire l'histoire et tout ça là. C'est comme ça que je lisais, par exemple, sur Elvis Presley. Tu connais Elvis Presley? Yeah, Elvis Presley. Il a aussi chanté Dieu Tout-Puissant. Hein? Yeah, il a chanté ça et ça fait du boucan. So, Elvis Presley, à un moment donné, on a dit, selon la presse, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il est mort par overdose parce que les managers n'arrêtaient pas de lui donner des médicaments pour qu'il performe, alors qu'il n'était pas en mesure de se tenir dans le stage. C'est parce qu'il n'a pas de but. Tu dois avoir un but. Tu dois avoir un but. So, des fois dans la vie n'est pas une course de performance. La vie, c'est une course vers l'atteinte de buts individuels. C'est comme ça que je ne me compare pas avec mon grand frère.
ni ma petite sœur, ni mon ami. Je vais seulement atteindre un but. Est-ce que tu comprends ça? Je vais atteindre un but. Mon objectif, ce n'est pas de devenir Benny Hinn. Mon objectif, ce n'est pas d'être Billy Graham. Mon objectif, ce n'est pas de devenir Eugene May. Mon objectif, ce n'est pas de devenir le prochain Roland Dallo. Mon objectif, c'est d'être moi-même. Je dois avoir mon but. Je dois atteindre mon but. Roland Dallo m'inspire beaucoup. Mais je ne peux pas payer les prix que lui l'a payé pour devenir Roland Dallo. Et je ne vais pas savoir. Parce que pour que j'atteigne mon but, il y a une grâce qui m'aide. Et quand je commence à chercher à être quelqu'un d'autre, c'est là où je perds cette grâce-là. Paul ne doit pas chercher à être Simon-Pierre. Parce que quand Simon-Pierre était avec Jésus, lui tuait les chrétiens. So, le jour où il s'est converti, qu'il n'essaye pas de devenir Simon-Pierre. Parce que pour que tu sois Simon-Pierre, il faut faire la pêche échouer toute la nuit. Il faut le renier 3 fois. Pour être Paul, il faut que tu tues les chrétiens et que tu les rencontres dans les chemins de Damas. L'essentiel, c'est que Paul soit Paul et Pierre soit Pierre. C'est comme ça que Jésus a dit à Jean, « Pourquoi tu veux savoir ce qui va arriver à Simon ?» Toi, suis-moi. So, quand tu connais ton but, l'argent va te manipuler moins. Le sexe va te manipuler moins. La gloire humaine va te manipuler moins. Les acclamations ou les insultes des hommes vont te manipuler moins. Quand tu connais ton but, tu ne vas pas faire des choses parce que les gens t'ont dit de faire. Tu ne vas pas éviter de les faire parce que les gens t'ont dit de ne pas faire. C'est le but qui te conduit. Quatrième chose, la puissance du but, c'est que ça te donne une vie qui évite le retard. Comment je sais que je n'ai pas de but souvent? C'est parce que j'ai tendance à recommencer souvent. Et je ne recommence pas parce que j'ai échoué. Je recommence parce que ça marche, mais je me rends compte que ça ne me satisfait pas. Mon cœur reste vide. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il y a des gens qui recommencent parce qu'ils ont échoué. Mais il y a beaucoup de gens qui ne recommencent pas parce qu'ils ont échoué. Mais ils se rendent compte que ce n'était pas ça. So, il a fait, il a fini, et c'est bien, mais il dit, je suis toujours triste. Il y a toujours un vide. Tu vois l'expression que les gens vont utiliser? Il y a un vide à moi. Quand tu as un but, tu atteins tes objectifs. Quand tu as un but, tu sais là où tu vas. Ça peut prendre du temps, mais tu sais que ce n'est pas le retard. C'est juste le temps nécessaire pour atteindre le but. Mais les gens qui n'ont pas de but, je vais me dire moi-même, Michaud, ici tu n'as pas de but. Parce que je vais savoir, je bouge beaucoup, je change beaucoup, je pars là-bas, je reviens. Tu sais, tu fais 10 fois l'inscription dans la même université pour chaque fois un programme différent. So, tu sais qu'il y a un problème de but, n'est-ce pas? Tu lances 10 fois 10 entreprises différentes, tu sais que tu as un problème de but, n'est-ce pas? So, à un moment donné, oui, on peut essayer, on peut tâtonner, mais quelquefois dans la vie, on arrive maintenant à trouver le but. 5e chose que le but, pour lequel le but est puissant, c'est une vie qui évite la déception finale. So, tu vois, si tu fais des choses sans but, à la fin, même quand c'est fini, tu es déçu. C'est comme ça que les gens, ils finissent, mais ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Il a honte de lui-même. Il est découragé. Parce qu'il voit qu'à la fin, ça donnait la déception. 6e chose, c'est que le but évite les complexes. Acclame le Seigneur. Celui qui a son but ne sera pas complexé. Il ne sera pas complexé. Voilà pourquoi celui qui a eu un talent n'est pas complexé par celui qui en a eu 5. Celui qui a 5 n'est pas plus grand que celui qui a eu 2. Dieu a donné à chacun selon sa souveraineté. Et je dis aux gens, des fois dans la vie, il ne faut pas toujours qu'on te dise, tu vois, ici, les gens deviennent ceci. Mais je ne veux pas devenir les gens. Je vais devenir moi. Je vais devenir moi. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Dans la vie, elle cherche à être toi-même. N'aie pas honte de toi. Atteins ton but. Atteins ton but. Le complexe a amené les gens loin. Le complexe va t'amener d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Le complexe va t'amener de bâtir des maisons dont tu n'as pas besoin. Le complexe va t'amener de pouvoir te sentir trop petit. Le complexe va t'amener de pouvoir sortir avec les amis, dépenser tout l'argent et ne pas savoir comment tu vas rentrer à la maison. Parce que et tous ils achetaient, toi aussi tu dois acheter. Et si tu n'as pas à boire de l'eau,
N'est-ce pas? Et il dit premier J, toi aussi premier J. Deuxième J, toi deuxième J. Troisième J, toi aussi troisième J. Maintenant, et il dit quatrième J. Et toi, c'est l'argent du taxi. Maintenant, la fille est là. Frère, dis-moi la vérité. La fille est là. Tu vas me dire, papa, je suis comme une sardine. Tu vois, on a envoyé les corps en Afrique, mais la tête est restée au Maroc. Je ne réfléchis pas. Quand il s'agit de prouver, j'éprouve. Et puis tu prends l'argent du taxi, 4e J. Maintenant, tous les amis disent, on rentre. Et puis toi, tu dis, non, j'attends un peu. Je suis patient dans la vie. Je suis quelqu'un qui laisse les autres partir en avant. Tu sais, moi, je me soucie des gens. Toi, d'abord, prends le taxi. L'autre, prends le taxi. Non, toi, non. Prends. Et les gens parlent toujours de toi. Hey, les frères, là, il prend soin de ses amis. Hein? Quand vous sortez, lui, quitte les derniers. Il quitte les derniers parce que le 4e J, il voulait prouver aux autres, c'était le taxi. À cause du complexe, tu deviendras celui que tu n'étais pas appelé à devenir. À cause du complexe, les gens ont accepté des choses qu'ils ne devaient pas accepter. À cause des complexes, vouloir prouver les gens, vouloir être quelqu'un. Sois toi-même et Dieu sera glorifié. Sois toi-même et Dieu sera glorifié. Sois celui que Dieu a dit que tu vas être. Deviens celui que Dieu a dit que tu vas devenir. Sois toi-même, Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Les gens me disent, mais pourquoi toi tu ne fais pas ceci? Mais je dis, mais je n'ai pas besoin. Tu peux être toi-même. Septième chose, et je termine bientôt, c'est que c'est une vie qui donne la joie de l'accomplissement. Acclame Jésus. So, quand tu atteins le but, il y a la joie de l'accomplissement. Ah, je te vois atteindre ton but. Alléluia. Oh, je disais, je te vois atteindre ton but. Amen. Même si papa n'a pas atteint ça, toi, tu peux atteindre ça. Amen. Parce qu'il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu. Yeah. Tu sais, Jacob est allé jusqu'à chez Laban prendre la femme. Mais son père n'était pas allé. On avait envoyé quelqu'un. Chacun peut avoir son but. David a voulu construire le temple. Il n'a pas construit, mais Salomon a construit. Chacun peut avoir son but. N'est-ce pas? Tu ne fais pas la compétition avec papa. Atteins ton but. Yes. N'atteins pas le but pour montrer à papa. Ok? Dans votre temps et tout ça là, regarde notre génération. Non, atteins seulement le but. Quand tu atteins le but, ce n'est pas pour Facebook. Quand tu atteins le but, ce n'est pas pour YouTube. Quand tu atteins le but, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que celui qui a tracé ce but là et qui t'a donné la vision dise, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Qu'un jour te dise, rentre dans le repos, fidèle serviteur. Atteins le but. Ça t'amène la joie de l'accomplissement. Ça t'amène la joie. Ça te donne la joie d'avoir accompli, d'avoir atteint le but, d'avoir atteint le but. C'est comme ça que nous avons parlé de Jésus. Jésus a multiplié le pain, il a multiplié les poissons. Lui qui était né bébé roi, les gens sont venus l'adorer. Les gens lui donnent l'opportunité d'être couronné roi. Il dit non. Mais être roi, c'est puissant, non? Être roi, c'est puissant. Être roi, c'est grand. Être roi, c'est quelqu'un. Oh, t'imagines, le fils d'un charpentier devenir roi. C'était, ça allait se parler à Nazareth. Ça allait bouger à Bethléem. Ça allait dire, hey, un enfant qui est né dans la maison de David est devenu roi. Finalement, Dieu a accompli la promesse qu'il a donnée à David de lui dire qu'il y aura un roi dans ta descendance qui va hériter de ton royaume. Jésus a l'opportunité de devenir roi, mais il refuse. Parce qu'il a dit, je suis d'abord venu chercher les perdus. Jésus ressuscite Lazare. Quel miracle! 4 jours après, la personne est en train de pourrir. Mais Jésus n'a pas dit que tout est accompli. Ça m'étonne. Comment tu peux ressusciter un mort et tu ne dis pas que tout est accompli? Jésus change l'eau en vin, mais il ne déclare pas, c'est accompli. Non, il dit non, j'ai un but. Oui, l'eau est devenue vin, c'est bien, c'est la gloire, mais j'ai un but. Jésus marche sur les eaux avec Pierre. Il marche. Il dit pas à Simon, c'est accompli. Simon, oui, dit it, oui, mais it. Non. Jésus dit, Simon, c'est bien de marcher sur les eaux, mais moi j'ai un but. Moi j'ai un but. Je dois sauver Zachée. Je dois sauver Michaud. Je dois sauver les pécheurs. Jésus entre chez Bartimée dans le village de Jéricho. Il rencontre Bartimée au coin de la rue. Il guérit Bartimée, mais il n'écrit pas que c'est accompli. Waouh! Ça m'étonne. Ça m'étonne comment il ne déclare pas tout est accompli.
Comment il ne dit pas que tout est accompli? Les gens disent à Jésus, tu sais, Jean-Baptiste nous a envoyé pour qu'on te pose la question, est-ce que c'est toi le Messie ou quelqu'un d'autre doit venir après toi? Il a dit, va dire à Jean, tout est accompli. Hein? Non. Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est enseignée. Mais il n'a pas dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Le but t'attend à la fin. Marcher sur les eaux, c'est le processus. Ressusciter Lazare, c'est le processus. Multiplier les poissons, c'est le processus. Changer l'eau en vin, c'est le processus. Les gens l'acclament, c'est le processus. Mais lui sait, j'ai un but à atteindre. Voilà pourquoi, les jours où on veut le couronner roi, il dit non, ça donne la gloire devant les hommes, mais moi j'ai le but à atteindre. Dis au voisin, tu as un but à atteindre. Refuse la gloire des hommes, refuse les acclamations des hommes, laisse les promesses, tu deviendras grand, on te fera ceci. Tu n'as pas besoin de devenir grand, tu as besoin d'atteindre le but. Amen. Tu as besoin d'atteindre le but. Et c'est l'atteinte des buts qui fait des gens des grands. C'est l'atteinte des buts, c'est la vision de Dieu. Jésus vient à la croix, c'est là où nous étions. Il vient à la croix, on le crucifie la croix. Les gens commencent à dire, il a aidé les autres, pourquoi il ne s'aide pas lui-même? Il a fait ça, pourquoi il ne fait pas ça? La Bible dit, deux brigands à ses côtés commencent à le critiquer. Les deux brigands, ils disent, et puis un brigand change, parce que ce n'est pas trop tard pour changer. Un brigand change d'avis. Il dit, toi, nous méritons ce qui nous arrive, mais lui n'a rien fait. Ah, tu sais, quand tu es tellement concentré sur le but, même les offenses ne te touchent plus. Quand tu es concentré vers le but, parce que Jésus se rend compte que j'ai quitté la terre, mais je ne suis pas encore entré au ciel. Mais ma vision, c'est chercher ceux qui sont perdus. Et puis il avait deux perdus à ses côtés. Un qui ne veut pas changer, l'autre est prêt à changer. Jésus a dit, ça fait mal, hein? Le sang coule, hein? L'eau coule, hein? Je suis nu, mais je me rappelle de ma vision. Sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, frère, toi aussi tu es perdu, tu seras alors le dernier que je vais faire entrer. Dis à ton voisin, reste fidèle au but. Reste fidèle au but. Parce que tu pourras gagner même en dernière minute. Si tu regardes Jésus, tu vas dire il ne va plus prêcher. Si tu regardes Jésus, il a dit à Marie, prends Jean comme ton enfant. Il a dit à Jean, prends Marie comme ton enfant. Pierre, on ne sait même plus où il est. Il a déjà fui. Les autres ont fui. Jésus reste un leader sans disciples. Jésus reste un roi sans peuple. Jésus reste un Dieu sans homme. Jésus reste seul à la croix. Mais il dit, j'ai fait mal, hein? Je suis seul, je suis nu, mais je me rappelle que j'ai un but. Sauver ceux qui sont perdus. Même nu, je vais atteindre le but. Oh 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 oh. J'ai dit, même nu, il va atteindre le but. Même laissé seul, il va atteindre le but. Même si les disciples partent, il va atteindre le but. Même si Pierre le réunit, il va atteindre le but. Même si Marie prend Jean, lui n'a plus de disciples, mais il va atteindre le but. Même si Jean maintenant ne prie avec lui pour poser la tête sur sa poitrine, Jean va avec Marie. Jésus dit, je vais atteindre le but. Même si les gens disent, il a aidé les autres, pourquoi il ne cède pas? Oh, tu sais, beaucoup de gens vont te dire, tu as guéri beaucoup de malades, pourquoi tu es malade? Tu as marié beaucoup de gens, pourquoi tu ne te maries pas? Tu as présenté beaucoup de bébés, pourquoi tu n'accouches pas? Tu as fait ceci, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon but. Ah! Oh, j'ai pensé qu'il y avait des gens qui aiment Jésus. J'ai pensé qu'il y avait des gens qui aiment Jésus. J'ai pensé qu'il y avait des gens. Jésus. Moi j'ai pensé que j'ai prêché aux chrétiens. Comment? J'ai pensé que j'ai parlé aux amoureux de Jésus. Aux amoureux de Jésus. J'ai pensé que j'ai parlé aux hommes et aux femmes de vision. Comment? Où sont les hommes et les femmes de vision? Ouh. Où sont les hommes et les bites? Yes. Où sont les jeunes et les bites? Yes. Où sont les jeunes qui ont des bites? Comment? Oh, donne-moi un jeune qui a un bite. Ah. Donne-moi une femme qui a un bite. Comment? Donne-moi un mari qui a un bite. Yes. Donne-moi une église. Donne-moi une église qui a un but. Donne-moi une célébration qui a un but. Donne-moi quelqu'un qui a un but. Alléluia. Donne-moi quelqu'un qui a un but. Yes. Donne-moi quelqu'un qui a un but. La Bible déclare, il est nu. On a
pris son manteau. On a pris son manteau. Il est resté nu. On a pris ses disciples. Ils sont partis. On a pris sa mère. Elle est partie. Joseph, on ne sait plus où il est. Matthieu, on ne sait pas. Thomas, il a dit, je ne crois pas. Jean, il est parti. Jacques, on ne sait plus. Il est resté seul, ni à la croix. Mais son dernier cri s'est accompli. C'est accompli. Est-ce que tu peux être malade, mais dire c'est accompli. Est-ce que tu peux perdre le travail, mais dire c'est accompli. Est-ce que tout le monde peut quitter, tu restes seul, mais tu cries c'est accompli. Est-ce que les parents peuvent mourir jeunes, mais toi tu dis c'est accompli. Est-ce que tu peux être nu, mais cacher ta nudité, mais crier malgré que vous avez pris les habits, c'est accompli. Est-ce que tu peux... Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà été abandonné, mais qui peut dire c'est accompli? C'est accompli. Quelqu'un dit c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. L'accomplissement, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On voulait le couronner roi avec des habits. Lui, il a dit non. Même nu, je vais accomplir. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même nu accompli. Yes. Même seul accompli. Yes. Même fils de sorcier m'est accompli. Même fils de magicien m'est accompli. Je te vois accomplir. Yes. Je te vois atteindre des buts. Je te vois atteindre des buts. Come on. Oh, je disais, je te vois atteindre des buts. Come on. Je te vois vivre avec des buts. Je te vois vivre. J'ai donné le témoignage de Joël Simac. J'ai dit à Simac, mais beaucoup de gens font beaucoup de choses. Pourquoi toi qui étais jeune, tu voulais la popularité, football américain, cheveux que si, une grosse voiture avec des baffles dedans. Il dit, papa, là je ne connaissais pas mon but. Maintenant je connais mon but. Maman. Je sais que ce que les autres font, ils peuvent devenir des millionnaires avec ça. Mais moi j'ai vu mon but. Je connais mon but. J'ai dit, waouh, Joël, il y a quelque chose. J'ai dit, c'est quoi le but? Il a dit, je vais servir Dieu. Ah, j'ai dit, Joël, tu es sûr? Il a dit, oui, va prier. Il n'est pas prié. Un jour, il vient. Il dit, je suis convaincu. J'ai dit, Joël, je n'ai rien à te donner, mais je peux bâtir une église pour toi. C'est comme ça qu'il est parti là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pris une offrande. Il a une salle, il a des chaises, il a des trucs. Mais j'aime Joël parce qu'il est obéissant. Je lui ai dit, fais-le. On commençait à l'appeler. Joël, une maman à Montréal veut que tu pries pour lui. J'ai dit, Joël, toi, tu commences déjà à prier pour les gens à distance. Sois patient. Sois patient, Joël. Ne précède pas ton onction. Tu sais, le niveau d'onction peut correspondre au niveau de combat. Tu ne veux pas vivre ici, mais ton onction est là-bas. So, j'ai dit, attends, Dieu va te donner. Et puis un jour, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de Cornwall? Il dit, papa, je dois prier. Il prie, il revient. Il dit, j'ai quoi? J'ai dit, Joël, tu es sûr? J'ai quoi? J'ai sûr, j'ai quoi? Il dit, ok, ça va. Dieu a commencé d'abord par lui donner une maison. Après, il quittait Ottawa pour aller là-bas, pour travailler. Dieu lui a donné un travail. Il part à la maison. Un jour, je lui ai dit, Joël, nous, je ne veux pas que tu ailles là-bas, aller dans une église, et puis après, prendre quelqu'un là-bas. Non, sors dans la rue. J'ai dit, sors dans la rue. Sors dans la rue. Je lui ai dit, Joël, demain, sors dans la rue. Il a dit, papa, oui. Il est sorti dans la rue. En train de marcher, il voit une femme enceinte. Il se rappelle, papa a dit, sors dans la rue, tu verras quelqu'un. Et puis il est parti parler avec la femme. Depuis qu'elle a parlé avec cette femme, son église est en train d'accueillir des gens. Et ce qu'ils accueillent dans son église, ce n'est pas les gens de Cornwall. C'est des nouveaux habitants qui viennent habiter à Cornwall. Aucun pasteur ne le connaît, aucune personne ne le connaît. Maintenant, il commence à me dire, papa, tu es méchant. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas prêcher ici? J'ai dit, ah, toi, tu avais dit que tu as un but. Tu veux être pasteur. Voilà l'église, prêche. Oh non, tu n'es pas gentil. Tu ne viens pas prêcher. J'ai dit que tu n'es pas venu pour me servir. Tu es venu pour servir ton Dieu. So, tu n'es pas été appelé à l'entreprise de Michaud ici. This is your church, your own church. Preach now. Je t'avais dit être patient. Maintenant, si tu l'appelles, Joël, oh papa, je n'ai pas pris le téléphone, hein? J'ai prié pour les âmes. J'ai dit, maintenant, on a voulu précipiter les choses pour rien. Maintenant, tu as les âmes, prie pour eux. Oh papa, aujourd'hui, même les démons ont parlé. J'ai dit, toi, tu es déjà dans les choses des démons depuis longtemps. C'est normal qu'ils parlent. J'ai dit, papa, j'ai aidé quelqu'un parce qu'il vient d'arriver. Alors, on doit lui trouver ça et ça. J'ai dit, hey, go for it, brother. So, tu vois,
dans la vie, des fois, reste dans le but. Yes, yes. Moi, quand je te regarde, je vois quelqu'un qui va atteindre le but. Amen. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui va atteindre le but. Amen. Moi, quand je te regarde, c'est quand on atteint le but, hein, parfois l'environnement n'est plus. Tu sais, Jésus a déclaré, tout est accompli, ses pieds ne touchaient même plus la terre. Pas d'amis, pas de disciples, pas de synagogues. C'est lui qui allait enchaîner les synagogues. Les femmes qui lui mettaient de l'eau dans les pieds et les parfums n'étaient plus là. Les gens qui lui préparaient la nourriture n'étaient plus là. Ses amis n'étaient plus là. Sa famille n'était plus là. Mais lui, il a crié. C'est ici que ça s'est accompli. Alors, make up your mind. Hein. Ça peut s'accomplir quand tu restes seul. Ça peut s'accomplir le jour où tu es dans le chômage. Ça peut devient spirituel. Yes. L'accomplissement, c'est par rapport à la vision de Dieu. Oh, yes. Ça peut s'accomplir quand tu n'as pas acheté la maison. Ça peut s'accomplir quand ton mari n'a pas encore le bon travail. Ça peut s'accomplir quand tu... est-ce que je aide quelqu'un? Ça peut s'accomplir. Étudiant international sans famille. Ça peut s'accomplir. Dieu peut choisir. Loin de tes parents, c'est là qu'il va te dire c'est accompli. Ce que je t'avais montré quand tu étais un bébé, s'accomplit. Ça peut s'accomplir alors qu'au Canada, tu n'as ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Dieu peut choisir que c'est ici que ça va s'accomplir. Maman. Dieu est Dieu, il peut le faire. Yes. Jésus nous a laissé un exemple. Il était tellement dans la vision. Il avait un but à atteindre. Il a sauvé un brigand sans baptême, sans le baptême du Saint-Esprit. Il l'a amené au ciel. Maman. Il a dit, frère, je t'amène au paradis. Yes. Là-bas, tu seras baptisé dans l'eau, la Sainte Seine. Il dit, we don't have time. We're running out of time. Il dit, viens, brigand, viens, viens. Brigand dit, papa, baptême. Il dit, viens, brigand. Il dit, le baptême du Saint-Esprit, viens. Quatre des membres d'église, il dit, ah, brigand, viens. Moi, je suis dopé pour sauver les gens. Voilà pourquoi, même quand je suis à genoux, je sauve. Même quand je suis à la croix, je sauve. Même quand je perds du sang, je sauve. Même quand on met l'épée, je sauve. Sois quelqu'un qui est capable d'atteindre son but. Même à genoux, atteint le but. Yes. Même en train de ramper, atteint le but. Yes. Même avec un petit salaire, atteint le but. Yes. Même seul, atteint le but. Même insulté, atteint le but. Même critiqué, atteint le but. Même abandonné, atteint le but. Quelqu'un qui gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un s'élève dans la prière et commence à déclarer, j'ai un but dans la vie. 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 Je ne suis pas un accident. 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 J'ai un but dans la vie. J'ai un but dans la vie. J'ai un but dans la vie. Commençons à prier. J'ai un but dans la vie. Commençons à prier. Je ne suis pas un accident. Malgré les circonstances, j'ai un but dans la vie. J'ai un but dans la vie. Je ne laisserai pas les temps manipuler mes objectifs. J'ai un but dans la vie. J'ai un but dans la vie. Ma famille a un objectif. Mes enfants un objectif. Mon mariage un objectif. J'ai un but dans la vie. Je ne ferai pas les choses pour plaire au monde, car j'ai un but dans la vie. Tu sais, notre foi, c'est une foi de confession. Peut-être on a dit quelque chose à ton enfant. Il ira nulle part. Quand tu es en train de parler, tu es en train de renverser ce qu'ils ont dit. Yes. Peut-être qu'on a dit de ton mariage, ça ne produira jamais rien. Quand tu es en train de déclarer, tu es en train d'annuler ce qu'ils ont dit. Peut-être que je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Quelqu'un commence à dire, j'ai un but dans la vie. Mon fils a un but dans la vie. Mes enfants ont des buts dans la vie. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas ici pour passer le temps. Je ne suis pas ici pour passer Commence à prier. Je ne passe pas mon temps appelle en train. J'ai un but. Ma famille a un objectif. Mes enfants ont un but. Noah a un objectif. Ma famille a un objectif. Nous ne sommes pas un accident. Nous ne sommes pas des accidents. Nous ne sommes pas des dommages collatéraux. Nous avons des objectifs. Peut-être que tu as une entreprise. Et on a dit, cette entreprise n'a ni tête ni queue. Ça ira nulle part. C'est le moment comme ça que tu appelles le nom de ton entreprise. Maman. Et si tu n'as pas encore de nom, c'est pas grave. Mais tu dis, cet investissement a un but. Yes. Et ça va atteindre son objectif. Nous commençons à prier. Ça va atteindre son objectif. Même si je n'ai pas encore écrit le projet. J'ai la vision. Et j'ai un but. Et je déclare, ce matin, mon objectif. Je vais atteindre mon but. Alléluia. Malgré les circonstances. Alléluia. Malgré
situation. Alléluia. Moi, je vais atteindre mon but. Alléluia. Mon entreprise. Alléluia. Connaîtra son essor. Alléluia. Moi, je vais atteindre mon but. Alléluia. Moi, je vais atteindre mon but. Ma famille va atteindre son but. Mes enfants, alléluia, mon mariage a un but à atteindre. Ma vie a un but à atteindre. Je ne passe pas mon temps à des choses vaines. Je ne passe pas mon temps pour satisfaire le présent. Je déclare, j'ai un but. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Quand tu pries, il y a des choses qui changent. Yes. Je te rappelle ça, tu le sais, mais je te rappelle. Quand tu pries, il y a des choses qui changent. Le diable a dit que tu es un accident. Parce que papa et maman se sont rencontrés par accident. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Yes. Même les méchants pour le jour du jugement. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans but. So, que maman et papa parlent de leur accident, mais toi déclare que tu as un but. Tu es sur la terre pour faire quelque chose. Tu n'es pas par, tu n'es même la maison où tu habites, tu n'es pas là par accident. Même cette église, tu n'es pas venu par accident. Même le travail que tu fais, tu n'es pas dans la catégorie des accidentés. Toi, tu as un but. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel. Je veux que tu réalises, c'est ton Père que tu appelles. Oh yes. Je veux que tu réalises que tu appelles l'auteur de la vision de ta vie. Oui. Je veux que tu réalises, tu appelles le créateur de ton femme et de ton mari. Mm. Je veux que tu réalises, c'est celui qui a créé le fiancé ou la fiancée. Mm. Je veux que tu réalises, tu appelles celui qui connaît les secrets que les hommes ne connaissent pas. Oh yes. Je veux que tu réalises, tu appelles celui qui te connaît mieux que le diable, même si il a combien d'eux, il ne te connaît pas. Oh. Je te rappelle, celui que tu appelles, il te connaît mieux que les hommes. Hallelujah. Dis-lui, Père éternel. Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Je déclare. Je déclare. Ma vie. Ma vie. A un but. A un but. Je déclare. Je déclare. Je suis. Je suis. Sur la terre. Sur la terre. Pour un but. Pour un but. J'ai un but à atteindre. 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 Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants. Mes enfants. Présents ou à venir. Présents ou à venir. Ont un but. Ont un but. Ils ne sont pas des accidents. Ils ne sont pas des accidents. Je déclare. Je déclare. Mon mariage. Mon mariage. Présent ou à venir. Présent ou à venir. A un but. A un but. Je déclare. Je déclare. Mon entreprise. Mon entreprise. Présent ou à venir. Présent ou à venir. A un but. A un but. Je déclare. Je déclare. Mes études. Mes études. Passé ou futur. Passé ou futur. A un but. Je déclare. Je déclare. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Sur ma vie. Sur ma vie. A un but. A un but. Je refuse. Je refuse. Le message de Satan. Le message de Satan. Qui essaie de me dire. Qui essaie de me dire. À cause. Des combats. Des combats. À cause. À cause. Des situations. Des situations. À cause. À cause. Des abandons. Des abandons. Et des trahisons. Et des trahisons. Je ne suis pas un accident. 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 Je refuse. Je refuse. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Et dans mon âme. Et dans mon âme. Et dans mon corps. Et dans mon corps. D'être un accident. D'être un accident. J'ai un but. J'ai un but. J'ai un but. J'ai un but. Et par la grâce de Dieu. 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 J'atteindrai mon but. J'atteindrai mon but. J'atteindrai mon but. J'atteindrai mon but. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. C'est lui. C'est lui. Qui m'a appelé. Qui m'a appelé. C'est lui. C'est lui. Qui a donné la vision. Qui a donné la vision. C'est lui. C'est lui. Qui a placé le but. Qui a placé le but. Est plus puissant. Est plus puissant. Que les obstacles. Que les obstacles. Que les diables. Que les diables. Élève dans mon parcours. Élève dans mon parcours. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Chacun de ces obstacles. Chacun de ces obstacles. Je les renverse. 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 Par l'autorité. Par l'autorité. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. L'auteur de ma vie. L'auteur de ma vie. L'auteur de ma vie. Les obstacles. Les obstacles. Devant ma santé. Devant ma santé. Pour m'empêcher. Pour m'empêcher. D'atteindre le but. D'atteindre le but. Par la croix. Par la croix. Et le médecin de la croix. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse les obstacles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les obstacles. Les obstacles. Devant ma famille. Devant ma famille. Pour m'empêcher. Pour m'empêcher. D'atteindre le but. D'atteindre le but. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse l'obstacle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pièges de Satan. Les pièges de Satan. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Et dans mon cœur. Et dans mon cœur. Je renverse. Je renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare. Je déclare. J'atteindrai. Et Dieu sera glorifié. 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 Je déclare. Mon but. Mon but.
bitch. Ce n'est pas de me comparer. Ce n'est pas de me comparer. Avec mon voisin. Avec mon voisin. Avec mon frère. Avec mon frère. Avec ma soeur. Avec ma soeur. Mon but. Mon but. C'est d'atteindre mon but. C'est d'atteindre mon but. Et je déclare. Et je déclare. Je refuse. Je refuse. D'emprunter. D'entraîner. D'emprunter. D'emprunter. Le but de quelqu'un. Le but de quelqu'un. Je refuse. Je refuse. Qu'on me donne. Qu'on me donne. Le but. Le but. Qui n'était pas à moi. Qui n'était pas. Je refuse. Je refuse. Qu'on me manipule. Qu'on me manipule. Qu'on me donne le but. Qu'on me donne le but. Qui n'est pas à moi. Qui n'est pas à moi. Je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marcherai. Je marcherai. Dans l'humilité. Dans l'humilité. Et j'atteindrai mon but. Et j'atteindrai mon but. Au nom de Jésus. 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 Acclame l'auteur de ton but. Alléluia. Ah, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer, acclamer encore? Oh, nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu, l'auteur de la vision. Ah, celui qui a placé le but, l'auteur de la vision. Et celui qui a. Oh, est-ce que l'église peut acclamer Dieu? Est-ce que l'église, oh, est-ce que nous pouvons célébrer l'auteur de la vision et celui qui place le but? Alléluia. Quel message? Quel message? Vision et but. Vision et but. Avant de passer aux offrandes, je vais juste dire un mot. Bien-aimé, je veux rendre gloire à notre Dieu. Pour ta vie et pour ma vie. Parce que aujourd'hui, si nous sommes ici, nous sommes conscients que c'est le fruit d'un processus d'accomplissement d'une vision. Il y a plusieurs années, il y a un couple qui avait eu une vision. Et cette vision, ils l'ont reçue des dieux. Ils sont restés fidèles à cette vision-là. Ils ont fait confiance à celui qui avait donné la vision. C'est Dieu lui-même. Et année après année, malgré les hauts et les bas, ils sont restés fidèles à cette vision-là. Et aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à ce couple-là. Nous voulons rendre hommage à ce couple-là. Nous voulons rendre hommage au couple Mundala. Docteur Michaud, Pasteur Sissi. Nous voulons vous rendre hommage. C'est parce que vous êtes restés fidèles à cette vision-là. Et vous avez fait confiance en ce Dieu-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes là. Et nous bénissons l'Éternel. Bien-aimé, je vais te demander juste dans les quelques secondes qui suivent. Si tu veux te... joindre à moi, juste te mettre debout. Nous voulons rendre hommage à ce couple-là, à ce visionnaire-là. Juste avec des applaudissements, bien-aimés. Nous voulons rendre hommage à ce couple. Merci. Vous pouvez prendre place. Notre prière pour vous, c'est que Dieu garde vos cœurs fidèles à lui. Et que un jour, vous puissiez aussi dire, tout est accompli. Parce que vous êtes dans le processus et nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Nous allons passer aux offrandes. Si vous avez besoin d'une enveloppe, juste levez la main. Et les bien-aimés vont nous servir. Et ceux qui veulent payer par Interact, prions pour ces offrandes. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Accepte favorablement ce que nous amenons dans ta maison, Seigneur, ce matin. Une partie de ce que tu nous as donné. Accepte-le, ô Dieu de gloire, et garde ce qui reste dans nos greniers. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nos annonces de la semaine. Comme vous le voyez, nous sommes déjà dans la fièvre de la célébration. Sénat, Naek, célébration 12-22, nous sommes déjà dans cette fièvre-là. Et donc, nous avons des informations très importantes à partager avec vous. Pour commencer, tous nos programmes réguliers du département sont remplacés jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de la célébration. Tous nos programmes réguliers sont remplacés par
le programme spécial de célébration au niveau de tous les départements. Et à ce propos, nous disons que nous commençons le mercredi. Ce mercredi 25, ça sera le coup d'envoi de notre célébration Sénat NAEC célébration 12-22, le mercredi 25 à partir de 18h30. Et l'orateur de cette semaine, notre première semaine, ça sera le prophète Joe Grass, que certains ont déjà eu l'occasion de suivre. Donc, mercredi à 18h30 jusqu'à 20h. Et toute la semaine, donc nous commençons du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toutes nos semaines de célébration partiront donc du mercredi à dimanche. Et le samedi et dimanche, nous avons, le dimanche, nous aurons un seul service et un service bilingue, tout le temps de la célébration. Et donc, le service de dimanche sera à 10h. De 10h à 12h, un service bilingue. Nous n'aurons pas donc deux services, celui de 9h et de 11h. Un seul service tout le temps de la célébration. Et le mercredi, nous vous encourageons, nous avons un code vestimentaire. Nous vous encourageons à mettre nos uniformes avec le logo de Sénat NAEC Célébration 12-22. Les articles sont encore en vente. Nous avons des t-shirts, des polos, des casquettes et nous avons même des tasses. S'il vous plaît, le mercredi, nous voulons être en uniforme. Nous voulons célébrer, n'est-ce pas, ce début-là. Et à la fin de la célébration, c'est-à-dire à la fin de... ça c'est le mois prochain, nous serons aussi en uniforme. Donc voilà les deux jours où nous vous encourageons à suivre ce code vestimentaire là. Si vous vous êtes approprié ces articles là, le mercredi, nous sommes ensemble pour la célébration. Alors, nous vous demanderons, bien aimés, votre collaboration avec les équipes. Il y a des équipes qui sont dédiées pour nous servir. Le parking, le protocole. Et nous aurons besoin de votre collaboration. Ils sont là pour nous servir. S'il vous plaît, juste suivre les instructions, comme vous le faites d'ailleurs d'habitude. Nous aurons un parking ici. Il y a un deuxième parking qui est apprêté au cas où celui-ci est rempli. Donc les bien-aimés qui sont dans le parking vont vous guider pour vous montrer là où mettre votre véhicule. Et l'équipe de protocole va être là pour nous guider, n'est-ce pas? Juste votre collaboration, s'il vous plaît. Donc voilà donc en ce qui concerne les différentes instructions par rapport à notre célébration. Et à chaque semaine, au début de chaque semaine, nous vous donnerons le calendrier de la semaine qui va suivre avec les noms des orateurs que vous connaissez d'ailleurs, parce qu'il y a une affiche qui circule déjà par rapport à ces orateurs invités. Mais cette semaine, c'est le prophète Joe Grass. Voilà donc en ce qui concerne les différentes directives que nous voulons partager avec vous pour la célébration. Donc n'oubliez pas, le dimanche, un seul service, ça sera à 10h. Après la réunion, s'il y a des bien-aimés qui ont donné leur nom pour servir de bénévoles pendant la célébration, s'il vous plaît, nous avons une réunion dans la salle des Codim, ainsi que tous les nouveaux ouvriers qui ont fini leur formation. Le dernier groupe et tout celui qui a donné son nom comme bénévole, nous avons une réunion dans la salle des Codim, s'il vous plaît, juste nous retrouver là-bas. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont là pour la première fois, qui célèbrent ce matin avec nous? Juste levez la main, nous voulons vous saluer si vous êtes là pour la première fois. Nous avons un bien-aimé, que Dieu vous bénisse mon frère. Merci, merci de venir prier avec nous. De l'autre côté, nous avons une sœur aussi. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? Merci beaucoup, nous sommes très honorés de votre présence. Il y en a dans le fond aussi. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons un bien-aimé avec la pancarte. S'il vous plaît, vous allez le suivre dans quelques instants. Si vous voulez nous accorder deux petites minutes, nous voulons vous saluer de façon personnelle. Et si vous avez des questions sur l'Église, ça nous ferait plaisir vraiment d'y répondre. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, nous allons tenir debout. Nous allons clôturer dans la prière.
Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Et nous espérons que... Alors, que Dieu te bénisse. Comme le pasteur a dit, à partir de la semaine prochaine, donc nous commençons notre célébration. C'est aussi une occasion pour nous de rendre gloire à Dieu. Donc, même si tu es arrivé aujourd'hui, tu étais là depuis le début, tout cela, c'est bon, l'essentiel que tu es là avec nous et nous voulons célébrer le Seigneur ensemble. N'oublie pas, ta vie a un but, tu as un objectif à atteindre. Les diables aiment tester le message, donc après un message comme ça, il viendra pour te dire que tu as un accident. Dis non, moi j'ai un but. Reste fidèle au but que Dieu t'a donné. Et pendant cette célébration, nous allons avoir aussi un service d'ordination. Donc, pendant la célébration, nous allons procéder à l'ordination de notre cher pasteur, pasteur Aubin Moulaja. Alors, le samedi 18 juin, on aura un service vraiment très, très spécial. Ne manque pas, prépare-toi, ce sera un bon service. On aura les cultes, après on aura le service d'ordination de notre cher pasteur. Le pasteur Aubin, il a fait ses études bibliques, il a poursuivi encore malgré ses occupations, il a continué. Là même, je ne sais pas s'il continue encore, parce qu'on commence à lui dire d'arrêter un peu, parce qu'il ne faisait que faire des études. Et puis, il sert déjà, c'est déjà un de nos pasteurs très efficaces qui nous aide beaucoup. Et puis, nous voulons maintenant procéder à la reconnaissance publique de son ministère. Alors, ça sera le 18 juin à 14h. Mon père spirituel, le prophète Eugene May, va venir de la Floride pour procéder avec nous à ce service d'ordination. Et c'est son ministère, Eagles Wings, dont je fais partie, qui va délivrer le certificat d'ordination à notre cher pasteur. Alors, mets ça en prière, prie pour ça et ne manque pas ce service-là pour venir honorer l'engagement de notre bien-aimé qui nous sert très bien. Amen. Donc ça, n'oublie pas. Et la dernière chose que je vais te dire, c'est de te remercier vraiment pour ta fidélité. Nous sommes tellement reconnaissants, non seulement pour le travail que tu fais, mais aussi pour les contributions que tu donnes. Donc, et tu sais très bien que les contributions que tu donnes sont gérées avec beaucoup d'intégrité. N'est-ce pas? C'est avec beaucoup d'intégrité, on fait attention. C'est comme ça qu'à partir de ce que tu donnes, Joël a fait combien de mois déjà, papa? Quand est-ce qu'il est parti là-bas? 5 mois à peu près. 5 mois. Mais il est parti depuis l'année passée. Il est parti peut-être octobre, novembre, l'année passée, après les concerts. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore pris une offrande à l'église. Mais l'église est payée. Arrive à avoir l'argent tout le temps pour payer l'église, payer les équipements. Comme ça, on aide les jeunes à commencer sans stress. Et donc, c'est à partir de ce que tu donnes. C'est à partir de ce que tu donnes. C'est comme ça qu'à Sudbury, on n'a que des étudiants, mais on paye la salle là-bas. On a payé les équipements et c'est très bien. Et à Vaudreuil, ils sont quand même capables de se débrouiller, mais on est juste à côté pour être sûr que tout va bien. Donc, je vais vraiment te dire merci, profiter de cette occasion pour te dire merci. Et tu sais aussi que dans notre manière de travailler, on ne met pas la pression sur les gens. Si tu peux, tu donnes. Si tu ne peux pas, ce sera la prochaine fois. Mais si tu as encore envie d'aider les comités, n'oublie pas d'aider les comités. On a même des invités qui s'ajoutent. Il y a des gens qui arrivent. Et puis, on sera très bénis. Très, très bénis. Et nous sommes vraiment dans la joie d'accueillir tout ce monde-là. Comme j'ai dit, on peut accueillir encore beaucoup plus de gens. Mais il y en a qui sont occupés. D'autres, ils ne peuvent pas être là à cause des restrictions de voyage. Et puis aussi, ça sera difficile pour nous d'accueillir tout le monde. Pendant presque 4-5 semaines, chaque semaine, on aura des gens qui vont venir pour célébrer avec nous. Donc, si tu veux aider le comité, c'est encore possible.
tu peux toujours aller les aider. Mais je veux vraiment te dire merci. Merci beaucoup parce que tu as beaucoup de besoins, tu as beaucoup de choses, mais tu prends le temps de pouvoir soutenir ce que l'Église est en train de faire. Alors vraiment pour ça, moi je suis très reconnaissant à Dieu et j'ai béni Dieu et j'ai prié chaque jour pour que Dieu se souvienne de nous et nous bénisse. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Nous travaillons tous parce que nous voulons contribuer. Même moi, chaque jour je suis dans mon travail, dans mon bureau, je gagne un salaire pour contribuer. Et toi aussi tu le fais, nous travaillons tous, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour contribuer. Donc que Dieu te bénisse et vraiment, si tu peux les aider encore, n'hésite pas à le faire. Oui, papa. Ok. Alors, le pasteur me rappelle aussi que les dimanches ici qui vient, quand on va clôturer la première semaine, pas toute la célébration, la première semaine, il y aura un barbecue dehors. Les enfants, combien? $10 et les adultes, $15. Donc, ça c'est pour le barbecue. Et puis, il y avait des choses gratuites. La boisson gratuite. Tu vois? Je sais qu'ici, vous n'aimez pas les gratuits, mais nous, on aime les gratuits. Donc, je sais, quand je dis gratuit, les gens se fâchent, pasteur, mais vous faites quand? Hein, tout ça. Donc, mais la boisson, c'est gratuite. L'église va acheter la boisson. Au fait, quand je dis l'église, c'est toi, au fait. C'est toi qui offres la boisson et l'eau. Mais les barbecues, c'est juste pour que l'équipe des sociales puisse acheter ce qu'ils vont acheter. Voilà. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. Et n'oublie pas, ta présence toujours appréciée. Merci Seigneur, parce que tu es bon et tu es merveilleux. Et merci surtout, parce que tu nous encourages toujours. Certains d'entre nous, on est nés, on grandissait avec beaucoup de doutes. On n'était pas sûr de quoi que ce soit. On n'était pas confiant. On ne savait pas si on avait un but dans la vie. Certains d'entre nous, on a rencontré tellement d'échecs. On s'est posé des questions. Si ce n'était pas un accident de parcours. Certains d'entre nous se sentaient tellement seuls, loin de la famille. On se disait, est-ce que je peux vraiment réaliser quelque chose? Mais nous croyons que par ce message, tu nous dis que tu es capable de donner un but à quelqu'un, de lui donner une vision, de donner un sens à sa vie. Et tu es capable de convaincre de pouvoir rester lui-même, d'atteindre ces buts-là. Et tu es content de nous en tant que tes enfants. Comme un père qui ne choisit pas parmi ses enfants qui est le plus grand, qui est le plus intelligent, qui est le plus ceci. Il les aime tous de la même manière. Tu nous aimes aussi de la même manière. Ceux qui accomplissent tôt, ceux qui accomplissent plus tard. Ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Ceux qui gagnent plus, ceux qui gagnent moins. Auprès de toi, tu n'as pas deux cœurs, tu as un seul cœur pour nous aimer tous de la même manière. Aide-nous à atteindre nos buts, afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple alors qu'il part. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que Dieu te bénisse. Qu'il élargisse tes limites, qu'il élargisse la vision, que la main de Dieu soit sur toi et que ça te donne une bonne direction. Que Dieu te garde du mal et que tu ne sois pas dans la souffrance. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.